Allô, allô. Côté Zoom, tout le monde entend correctement. Je ne sais pas si j'arrive à voir. Vous pouvez faire un petit coucou sur le chat si c'est bon. OK. Merci, Rim. Du coup, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de voir à nouveau des visages connus et des visages non connus aussi. Et surtout, comme c'est super chouette de pouvoir faire ça en ligne pour les gens qui ne peuvent pas être présents ici et qui veulent suivre un peu ce qui se passe dans l'événement. Et les gens qui sont présents aussi, c'est sympa pour voir, discuter un peu aussi après l'événement. Ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà, du coup, on va commencer un peu, comme vous avez vu, à peu près le programme. L'idée, c'est, bon, on est un peu de retard, mais ce n'est pas très grave, on n'est pas non plus à une minute près. Du coup, je vais commencer rapidement à détailler un peu ce qu'on va faire. On va faire, bon, juste quelques minutes avant, dans quelques minutes, je vais raconter un peu des news du groupe. On va présenter aussi un peu ce que le sponsor dans ce cas-là aujourd'hui, c'est Miracle, qui nous héberge ici principalement. Et, du coup, il y aura Emmanuel et Laura qui vont parler un petit peu pour qu'on découvre qu'est-ce que fait Miracle. Et aussi, après, il y a un talk sur la partie analyse des perfs avec Nicolas. Et une présentation aussi de Omar pour la partie Dashboard as Code avec Grafana. Et après, à la suite, c'est aussi, il y a Sacha et Simon qui vont présenter la partie de retour d'expérience avec Argo CD dans Kubernetes. Et bon, à la fin, ça va être apéro. Dommage pour ceux qui ne sont pas en présentiel, mais bon, en plus. Mais bon, voilà. Et du coup, ouais, pour commencer, du coup, je ne sais pas si je te laisse présenter, Emmanuel. Merci beaucoup. Donc, je vais poser là. Alors, on va prendre le contrôle très rapidement. Bah, du coup, voilà, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui me connaissent un petit peu déjà. Donc, je suis Emmanuel, je travaille chez Miracle depuis fin 2020 dans l'équipe SRE. Donc, du coup, bah, voilà, pour soutenir un peu l'effort du Meetup SRE, bah, je me suis proposé pour que Miracle héberge de nouveau le Meetup. Et puis, bah, je vais laisser la parole à Laura qui va vous présenter un petit peu la société. Et puis, je pense qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui la connaissent. Et il y a eu une levée de fonds assez récente, donc on en a encore reparlé. Mais voilà, on recrute pas mal. Donc, Laura, si vous avez des questions, et là, à ce niveau-là, vas-y, Laura. Merci. Hop. Alors, déjà, petit disclaimer. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir présenter Miracle. Je ne suis pas là pour récolter vos CV. Hein. Vous inquiétez pas, je ne vous attends pas à la fin à la salle avec vos CV. Alors, effectivement, vous avez entendu pas mal parler de Miracle, je pense, ces derniers temps, surtout avec la levée de fonds qu'on a fait il y a un peu plus de 2 semaines. Mais du coup, vous allez vous dire, c'est bien joli, j'en entends parler, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, en fait, on est éditeur de logiciels marketplace. Donc, notre objectif, c'est de fournir les technologies qui vont permettre à nos clients de lancer une marketplace. L'idée, c'est de passer d'un modèle pour eux de modèle e-commerce où vous avez une entreprise, son propre site, ils vendent ses propres produits et c'est tout, à un modèle marketplace où en fait, vous avez une entreprise qui va avoir une plateforme et accueillir du coup des vendeurs externes qui pourront vendre leurs produits depuis cette plateforme-là. Donc, nous, on a plus de 300 clients dans le monde entier. Aujourd'hui, on est très content. Là, vous avez une petite sélection de ces clients. Je n'ai pas la liste entière et pour être tout à fait honnête, je ne les connais pas. Mais donc, peut-être que vous avez déjà acheté sur Auchan, Leroy Merlin ou Maison du Monde. En fait, c'est Miracle qui est derrière tout ça. Voilà. Donc, peut-être que vous avez utilisé notre plateforme sans même le savoir. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, aujourd'hui, on va avoir plusieurs piliers fonctionnels autour de la marketplace de produits, de la gestion des catalogues et d'un logiciel en fait qui va réunir tout l'écosystème marketplace au même endroit avec les marketplaces, les vendeurs et les partenaires pour vraiment mettre tout ça en avant. Et le plus cool dans tout ça, je pense, c'est qu'on a 150 personnes dans nos équipes techniques qui font ça. Donc tout ce que vous voyez, toutes les plateformes, tous les beaux clients qu'on peut avoir, et en fait c'est fait. Enfin, derrière il y a une équipe entre guillemets que de 150 personnes qui fait ça. Et plus spécifiquement, notre équipe SRE, qu'est-ce qu'elle fait? Notre équipe SRE, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est une douzaine de personnes à peu près, avec des SRE, des DBA. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont automatiser des tâches. Ça va être leur principal focus, l'automatisation avec du Terraform, de l'Ansible pour l'achat des machines, le provisioning, tout ça. Il y a pas mal de Kubernetes, etc. Ils vont également assurer la scalabilité, la performance, la disponibilité
la fiabilité des plateformes, parce qu'on a pas mal de clusters dans le monde entier. Et donc, du coup, l'idée, bah, c'est de forcément s'assurer que tout ça, ça fonctionne bien pour nos clients. Surtout que comme on est sur une activité e-commerce, forcément, avec le Black Friday qui arrive, les soldes, etc., bah, faut s'assurer que tout ça, ça tienne la charge, ça tienne la route et au-delà que ça, ce soit performant. Et en plus de ça, leur rôle, ça va être de fournir les outils dont les équipes de dev ont besoin pour être un maximum autonome sur leur scope. Donc, fournir tous les outils qui vont aider les équipes de dev bah, à déployer plus facilement leurs applications en production. Voilà, donc tout ça, c'est les belles choses qu'on fait. Si jamais vous êtes intéressé, le petit site carrière en bas, mais encore une fois, on ne vous force à rien. Donc voilà. Et encore une fois, on est super ravis de vous accueillir dans nos locaux. Donc bah, voilà, bonne présentation. Merci beaucoup pour l'accueil. Et voilà. Du coup, encore une fois, merci Emmanuel et Laura pour toute l'aide avec l'organisation, le sponsoring et principalement à Miracle pour nous permettre d'être ici, d'héberger le meet-up avec tout le matériel, toute la logistique que ça nécessite. Aussi, petit disclaimer, tout ça, ça fait vraiment de façon bénévole avec eux. Il n'y a pas, d'accord commercial, rien du tout. Du coup, c'est ça l'idée toujours de meet-up, c'est garder un peu cette harmonie, en tout cas, on peut dire, entre les entreprises qui veulent héberger le meet-up et les gens qui viennent parler. L'idée, c'est que ça reste toujours technique, évidemment, ce n'est pas pour faire de vendre quelque chose. Mais voilà, du coup, vraiment, merci à eux pour nous permettre d'organiser tout ça. Voilà, du coup, on va passer à la partie un peu news du groupe, principalement, et un peu du monde de SRE en ce moment. Du coup, comme je répète toujours... Ah, pardon, ouais, je vais repartager l'écran. On avait départagé... Comme on a déjà vu précédemment, je le rappelle, du coup, il y a un petit groupe Telegram où on discute, on échange pas mal de sujets. On commence à préparer aussi les prochains meet-up. Il y a pas mal de sujets un peu tech aussi qu'on discute là-bas. Il y a un channel, il y a d'autres types de channels Slack. Il y a un channel qui est Telegram. Il y a un channel qui est plus en mode broadcast. Du coup, pour ceux qui veulent pas, ils n'ont pas envie d'échanger, de discuter, des choses comme ça, juste être au courant des news. On push des news, par exemple, quand on sent le prochain meet-up, quand on fait des calls for calls, pour présentation, pardon. Et du coup, voilà, du coup, n'hésitez pas à vous connecter à ces deux channels si vous avez envie de suivre un peu les actualités. Du coup, bon, ça c'était un petit rappel. Et après, sinon, les sujets encore est un peu à la mode, en tout cas, dans ce qu'on discute. D'un côté, il y a le fait on avait parlé dans notre meet-up de renommer le groupe SRE France par rapport à, actuellement, c'est SRE Paris. Mais vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont pas à Paris, déjà, les gens qui vont parler, les speakers, ne sont pas forcément basés sur Paris. Du coup, on s'est posé la question si vraiment ça fait du sens de garder SRE Paris comme nom parce qu'on peut faire vraiment des meet-up un peu partout. On a fait déjà aussi pendant le Covid confinement. Du coup, voilà, c'est un sujet que même moi, je me pose la question si ça a du sens de garder le nom Paris ou pas. Mais bon, je pense que si vous avez décidé aussi, n'hésitez pas à participer à la discussion. L'autre point aussi, c'était on a créé un survey pour juste recueillir de feedback par rapport au meet-up. Si c'est très rapide, il y a juste une page, il y a 4 questions. Je vais partager le lien après à la fin du meet-up et on va envoyer aussi dans le recap les liens pour ceux qui veulent participer. C'est juste des questions très simples à niveau de quels sont vos préférences à niveau du sujet, si c'est plutôt des sujets, des topics un peu techniques ou plus à niveau des concepts, méthodologie, DevOps, etc. Et aussi à niveau de la durée, est-ce que vous préférez plus des talks plus longues ou plus courtes? Aussi à niveau des workshops, si c'est quelque chose qui intéresserait les gens de faire, des workshops, mettons, avec des groupes réduits ou pas, mais en tout cas, pas seulement d'être en mode écouter seulement, sinon aussi participer, ça peut être intéressant. Voilà, du coup, l'idée, c'est de recueillir un peu le feedback et avec ça, essayer de proposer de nouveaux formats s'il y a des gens intéressés. Du coup, ça sera pour la fin, on aura le lien avec un QR code. Et après, juste deux news un peu rapides. Pour ceux qui ne sont pas courants, là, la semaine prochaine, c'est la SROCON. Pour ceux qui ont déjà participé, peut-être par le passé, cette année-là, ils ont fait une seule édition. En général, il y a toujours une édition US, une édition Europe, une édition aussi en Asie. Mais cette année-là, ils ont fait, à cause, je pense, de la pandémie, tout ça, ils ont fait juste une seule édition qui va être en ligne. Du coup, c'est un peu global.
C'est la semaine prochaine. Vous pouvez encore vous inscrire. Il y a aussi des réductions pour certains types de, je sais pas, pour les étudiants, ce type de choses. Du coup, si ça vous concerne, je pense que ça peut être intéressant. Le prix, ça peut être un peu cher si ce n'est pas un prix de risque. Ça coûte à peu près, je pense qu'un euro, ça va être 170 ou 180 euros. Du coup, ça peut être un peu cher. Mais c'est assez intéressant. Après aussi, il y a les talks qui sont disponibles sur YouTube. Je pense que dans 2-3 semaines après l'événement en général. Du coup, voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Le programme, c'est assez intéressant. Du coup, voilà, je pense que tout le monde trouvera des trucs qui l'intéressent sur ça. Et un autre événement qui arrive aussi à la fin du mois, c'est le All Day DevOps. Pour ceux qui connaissent aussi, c'est assez intéressant. C'est un événement qui dure 24 heures. Du coup, il y a des speakers qui sont tout au long de la journée à différents fuseaux horaires. Et c'est complètement gratuit. Du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à regarder le programme. Il y a des choses intéressantes. Il y a des tracks SRE, il y a un track DevOps, il y a des tracks CI/CD, par exemple. Du coup, c'est assez intéressant. Du coup, je pense que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil et peut-être participer. Voilà. Du coup, c'était juste quelques petites news pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité. Et voilà. Du coup, avec quelques minutes de retard, on passe du coup à la première présentation de Nicolas. Du coup, je ne sais pas si Manuel, tu peux donner la parole à Nicolas. Ouais. Et Nicolas, je te laisse partager ton écran. Oui, vous m'entendez ? Ouais, très bien. Parfait. Et est-ce que vous voyez ? Ouais, très bien. La présentation, parfait. Super. Eh bien, je peux commencer, c'est parti. Bonsoir à tous. Donc, ouais, comme vous voyez, je suis en remote depuis Caen, voilà, juste à côté de Caen. L'idée de la présentation, c'est de vous faire un tour d'expérience sur un problème qu'on a eu chez Back Market en termes de performance et de vous récapituler un peu les méthodologies qu'on a utilisées et comment on a pu utiliser pour résoudre ce problème. Donc, je m'appelle Nicolas Sterchel, je suis SRE chez Back Market. Back Market, c'est une marketplace une marketplace dans les produits électroniques reconditionnés. Je suis chez Back Market depuis 3 mois. Avant ça, je travaillais chez PeopleDoc avec Pablo et Rim qui est présente à distance. J'étais cloud ingénieur chez Envoice et j'ai un background de back-end ingénieur. L'agenda, je vais vous présenter rapidement l'architecture actuelle chez Back Market, caractériser l'issue que l'on avait, les méthodologies utilisées, et, les mots de sagesse que je pourrais vous partager. Et puis voilà. Donc l'architecture, on est sur AWS, on est présent sur 2 régions, donc en Irlande et aux États-Unis. On est sur du self-managé niveau Kubernetes avec du COPS. On a pas mal de nœuds, aussi pas mal de pods. Le back-end, c'est du Python Django. Le front-end, c'est du Next.js. Il y a une partie. La partie asynchrone, c'est du RabbitMQ avec du Celery. Et on a une persistance, une cache, du cache avec Redis qui lui est managé par AWS, donc c'est du Elastic Cache. La partie relationnelle, c'est du Aura MySQL, donc encore une fois managé par AWS. Après, bon, il y a du S3 comme tout le monde, du Cloudflare. On utilise des workers sur Cloudflare, il y a plein de choses intéressantes. On est environ 80 ingénieurs, mais ça ne fait que d'augmenter. Donc, je ne sais pas si ces chiffres sont toujours d'actualité. Donc, l'issue que nous avions, qu'on pourrait caractériser comme une précision atomique, 21 juillet, on se fait contacter par un ingénieur qui nous dit qu'il a vu des problèmes de connexion à nos clusters Redis et aux bases de données MySQL entre 8h et 9h. Bon. Ok, on voit ça. On se dit que c'est pas vraiment critique.
Pour le moment, ça peut être transient, ça peut être juste une seule fois. Donc, on le laisse de côté. Comme vous savez, les serveurs, ils sont toujours plein de choses à faire. Donc, on voit ça pour plus tard. Mais évidemment, le lendemain, à la même erreur, le même ingénieur, donc qui nous rappelle. Et donc, c'est là où on va se mettre à travailler, voir ce qui se passe et essayer de mitiger ce problème. Donc, les méthodologies. Petit rappel, donc, on utilise du COPS. Donc, COPS, ça veut dire de A à Z, on gère tout. L'autoscaling, les AMI, etc. Et le CNI qu'on utilise, c'est du Calico, à savoir. Calico en mode IP, pas en mode IPPF. Voilà, juste petit rappel. Donc oui, première méthode, c'est pas mon hardware, c'est pas ma machine. Évidemment, on est sur du AWS, donc tout le monde le sait, c'est un peu comme louer un appartement, c'est pas nous qui gérons la maintenance. Donc ce qu'on a vu, c'est que le 21 juillet, il y a eu une maintenance que AWS a fait sur les Elasticache. Première chose qu'on fait, c'est évidemment, c'est leur demander est-ce que vous avez fait quelque chose en particulier qui pourrait nous impacter. Évidemment, la réponse est négative. On choisit une autre méthode, un peu plus scientifique, disons, qui est la méthode use. Donc, la méthode use, c'est utilisation, saturation et erreur, qui a été vraiment partagée par Brendan Gregg, qui est un systems performance ingénieur chez Netflix, qui est vraiment reconnu pour la partie performance. Donc l'idée, c'est d'itérer sur trois métriques pour des composants système. Donc ça pourrait être, je vais choisir le network, plutôt le CPU. CPU, je vais utiliser en utilisation, bon, on va voir combien, quelle utilisation il a en fonction du temps. Sa saturation, est-ce que je lui demande trop d'exécuter trop de temps CPU qu'il n'a pas ? En erreur, c'est un peu compliqué à trouver des erreurs sur CPU, mais en erreur, on peut trouver sur le network, ça peut être du TCP en transmission, ce genre de choses. Donc, on l'a utilisé, on a vu des choses intéressantes. Aussi, petite parenthèse, on est sur Datadog au niveau monitoring. Donc là, c'est un graph Datadog. En utilisant donc la méthode use sur CPU, on a vu qu'on avait des machines qui étaient vraiment beaucoup saturé. Ça pouvait être les masters Kubernetes, ça pouvait être les machines qui hostaient RabbitMQ. RabbitMQ est aussi sur Kubernetes. Donc ça nous a permis de voir ça. Il y a eu aussi beaucoup de TCP en transmission. Inexpliqué, évidemment, au moment où j'ai fait ce graphe-là. Et donc, ces TCP en transmission étaient essentiellement émises depuis les pods Calico et vers Redis. On va le voir après. Et enfin, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup, disons, anormalement des pics I/O sur les disques. Des machines qui avaient ce problème de connexion à Redis et MySQL. Donc, on est passé sur la partie hardware. Désormais, on a choisi d'utiliser la méthode drill-down. Donc, l'idée, c'est là, en fait, on reverse. On va partir du software pour redescendre sur le hardware. Et aussi, en utilisant la méthode des 5 pourquoi. L'idée, c'est d'avoir une question initiale et de dérouler au maximum sur 5 questions pour répondre à la première question. Donc, typiquement, là, première question, c'est pourquoi ma latence elle a augmenté sur un endpoint en particulier. Pourquoi ? Je réponds à cette question. Et si je réponds à cette question et ça me ramène à poser une autre question, je continue comme ça 5 fois.
et ça nous a permis, ça permet de rester dans un cadre et ouais. Une autre parenthèse, vu que nous sommes dans un environnement conteneurisé, avec évidemment de la sécurité, il nous faut pouvoir débugger en production. Donc on a un outil qui s'appelle Ernest X, qui permet d'accéder aux primitives Linux depuis un pod Kubernetes et qui contient des outils traditionnels comme IOSTAT, VMSTAT, TOP, ce genre de choses. Et aussi les outils IBPF, BCC, comme TCP/Rotrans, BIOSNU, BIOTOP, ce genre de choses. Alors, on est parti sur la première chose, c'était la TCP en transmission. Donc là, c'est l'output de l'outil TCP Retrans. On voit que il y a de la retransmission sur le port Calico, c'est 179. Sur le port 6379, c'est du Redis. Pourquoi Calico émet des retransmissions? Calico utilise BGP comme protocole. Je pense que tout le monde maintenant connaît le BGP avec l'histoire qui est Facebook. Donc, ce qui se passe, c'est que Calico, ce qu'il fait, c'est qu'il émet des messages TCP, une sorte de keep alive, sur toutes les machines qu'il connaît, donc toute sa topologie. Et là, ce qu'on voit sur le graphe, la ligne orange, c'est le nombre de machines qu'il y a. Qui tourne, et les barres bleues sont le nombre de retransmissions TCP. Et ce qu'on voit, c'est que plus on a de machines qui sont terminées, plus on a de TCP retransmission, et au moment où on atteint la stabilisation et on augmente un nombre de machines, les TCP retransmission s'arrêtent. Donc ce qui se passe, c'est plutôt simple, c'est que admettons qu'on a un host A qui connaît sa topologie, son graphe. Il va émettre toutes les deux secondes des paquets TCP. Et évidemment, si la machine ne répond pas, il va émettre une retransmission. Donc c'est ce qui se passe. Et, tant qu'on a des machines qui sont arrêtées, qui s'arrêtent, la machine A l'a toujours dans sa mémoire et essaie de faire un keep alive. Évidemment, au bout d'un moment, il la considère offline et la supprime de sa topologie. Donc, c'est un comportement normal. Oui, petit disclaimer, nos workloads sont vraiment pas gourmands en disque I/O. Donc, c'est pour ça qu'au tout début de la mise en place de la méthode use et donc du dashboard, on n'avait pas pensé à mettre des graphes sur les disques et on a vu ça, on a vu que au moment où à 8h08 disons, au moment où, donc, où il y a le problème de connectivité, il y a un pic I/O. Et bien ce qu'on a fait, donc là I/O usage, pourquoi? Une autre question, pourquoi? On a lancé notre copain Ernestix, on lui a demandé de lancer du BioSnoop à 8h sur une machine impactée, et on a vu du DPKG. Voilà. Donc, ce qui est pas mal avec BioSnoop, c'est que voilà, on voit sur quel disque il y a des syscalls, enfin pas des syscalls, mais des demandes d'accès au disque, et quel est le process qui le fait. Ok, pourquoi on a du DPKG? Eh bien, on se connecte en SSH parce qu'on a encore accès en SSH aux machines. Et là, on voit que sur le DPKG log, il y a de l'activité. Et de l'activité, donc ça, c'était un output. Donc 6h49 UTC était 8h49. Donc on voit qu'il y a de l'output sur le DPKG. Mais pourquoi 8h49? Pourquoi il y a autant de disparités entre 8h et 9h? Et pourquoi c'est pas juste à 8h05? Et c'est là où... un list timer nous a permis de rendre compte que on a un timer apt-daily upgrade qui lance apt-daily upgrade service.
et ce APT Daily Upgrade Timer démarre à 6h UTC et il a 60 minutes pour se lancer, pour exécuter le service. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on était, on avait ces erreurs qui étaient spread sur une heure. Donc oui, je vais juste rien. Se dépackager entraînait des déconnexions à Redis ou MySQL. Ce qui s'est passé le 20 juillet, les mainteneurs de systemd ont poussé un change, mais un CVE, enfin un change pour fixer un CVE. Ce qui fait que le 21, nos machines, à 8h, elles ont lancé le unattended upgrade dû au APT Daily Upgrade, qui a fait une récupération du paquet, de la librairie, et qui a fait un restart de systemd networkd, ce qui fait que nous perdions la connexion, les connexions finalement, pas que à Redis, pas que à MySQL évidemment, et à d'autres choses. Et pourquoi Petit Daily se lance? D'une part parce que notre AMI était vieille de 6 mois et nous n'avions pas de Golden Pipeline pour créer nos AMI. Et ce problème arrivait pour les machines qui étaient vieilles de moins de 24 heures. En WazeWorld, je dirais qu'il faut un Golden Pipeline. Une Golden Image, c'est évident. Avec une grande réflexion sur ce qu'on doit configurer et comment on doit le configurer. Là, on l'a vu, la BPF, ça nous a permis de facilement voir l'impact sans impacter les performances. En plus, avec des outils qui sont vraiment bien faits. Donc, je considère que c'est important d'avoir ça dans sa trousse à outils, dans sa caisse à outils en tant que SRE. On les a vues, les méthodes qu'on utilisait, elles nous ont permis de rester cadrés. On sait tous, on a tous tendance à partir un peu n'importe comment. Donc ça permet, ça évite de se disperser. Écrivez à chaque fois ce que vous faites. Quand vous faites une session de debugging, ça vous permet à vous de ne pas vous répéter. Et aussi à vos collègues de savoir ce que vous avez fait. Et d'éviter de refaire ce genre d'erreur. Et enfin, toujours questionner tout le temps. Et ça permet de comprendre les choses. En référence, oui, je pourrais partager après le slide. Bon, il y a du Brendan Gregg avec son dernier livre Système Performance. Il y avait son bouquin aussi sur Solaris, IBGP, la méthode Use. Et évidemment, on recrute beaucoup. En tant que SRE, en back-end, en front-end, en QA, partout. Donc, si vous avez envie de faire de la perf, du chaos, du SLO, du SRE as a book, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup, Nicolas. C'était super intéressant, l'aventure. J'imagine que ça n'était pas évident de découvrir tout ça. Effectivement. Ouais. Du coup, je pense que pour les questions, si vous voulez, à la fin de la session, on peut collecter toutes les questions. Même pour les questions en remote, vous pouvez poser la question directement sur le chat Zoom. Et à la fin, on verra avec le temps qu'on a pour répondre aux questions de tous les speakers. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Et on passe du coup à la présentation suivante. En vrai, je pense que je suis un peu refait parce que on n'aurait pas fait le même passage chez Hugging Face, Nicolas. T'aurais pas fait un passage chez Hugging Face?
En fait, on a fait exactement le même passage chez Hugging Face. 6 semaines, félicitations. Non, j'en ai fait 8, félicitations. Tiens, what are the odds, quoi? Genre, on se retrouve sur le même meet-up SRE. Enchanté, oui, enchanté. En fait, j'ai bien aimé ce que tu as fait. C'était pas top, mais... non, je plaisante, non. C'était vraiment cool ce que tu faisais. Et c'est cool parce qu'on a à peu près les mêmes refs. Je suis d'accord avec toi, Brendan Gregg, il est vraiment cool, donc... ouais. Okay. Bonjour, du coup, moi c'est Omar. Et comme Nicolas, j'étais à Hugging Face quand j'ai proposé mes slides, ma présentation. Donc aujourd'hui, je ne suis plus chez Hugging Face, comme Nicolas, ce qui est assez drôle. Et on se retrouve à présenter la même chose aujourd'hui. Donc au final, on a un peu travaillé ensemble parce que j'ai dû, vu que j'étais SRE, c'était le premier SRE qui a travaillé chez eux. J'ai repris à ce qu'il a fait. C'était bien. C'était vraiment bien ce qu'il faisait. On a exactement les mêmes refs. Helm File, Helm, Kubernetes, toute la stack. Enfin, Kubernetes Mixins, JSONet, etc. Donc, franchement, c'était bien ce qu'il faisait. Et j'étais content de reprendre pendant 8 semaines. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous faire une démo pour vous montrer ce que j'ai pu mettre en place à Hugging Face en utilisant des dashboards. Mais malheureusement, je n'ai plus accès au Grafana de Hugging Face, donc je ne pourrais pas vous montrer ce que j'ai fait. Mais je vous en parlerai plutôt de manière plus méta. Et aussi, je vous parlerai un peu de... Enfin, je vous présenterai un peu l'idée dans laquelle je m'inscrivais. Je teste. Ah, voilà. OK. Donc, en fait, dans l'agenda, je voudrais vous parler de 4 points. Et comme Nicolas a commencé en français, je continuerai aussi en français. Donc, en fait, je voudrais vous parler du background diversity. C'est quelque chose que j'ai vécu vraiment, vraiment de manière forte chez Hugging Face. On n'avait pas le même background. Je vous parlerai des configuration languages, donc des langages de configuration. Enfin, c'est différent des configuration files. Qu'est-ce qui ici connaît ce que c'est qu'un langage de configuration? Juste par curiosité. OK, parfait. Après, je vous parlerai du dashboard as code. Pourquoi, en fait? Pourquoi il faut ça? Et ensuite, je vous parlerai de mon workflow à moi, de comment j'aime travailler quand je travaille dans une équipe. Donc, on va commencer par le background diversity. Je vais essayer de prendre vraiment 15 minutes. Donc, du coup, je suis allé un peu vite sur des parties pour... être dans les 15 minutes. Donc, le background diversity, c'est la première partie, c'est debunking the myth. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand on me dit tu es ingénieur DevOps. Ou du coup, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est tu peux faire du dev et de l'ops. Et ils supposent aussi que je suis tout aussi bon à faire du 3/4 Python ou à faire de l'infra, du monitoring, du Kubernetes. Pour moi, c'est un mythe. Donc ça, en fait, c'est pour dire que c'est un truc que j'aime pas du tout parce que ça veut pas dire grand-chose pour moi. Enfin, ça veut juste dire, OK, ben, on planifie, on monitor, on configure, on release. Non, n'en fais pas ça. On planifie, on create, on vérifie, on package, on release, on configure, on monitor et on refait. Donc voilà le travail d'un dev et voilà le travail d'un ops. Et du coup, en tant que DevOps, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que ouais, ben, faut faire tout ça. Et franchement, non, donc parce que j'ai pas envie de faire tout ça. Et qu'on a des backgrounds différents, des préférences en tant qu'il y a 1 milliard de travail dans le... Enfin, 1 milliard, non. J'exagère, mais il y a beaucoup, beaucoup de différents métiers dans l'IT, dans l'industrie. Et chacun a ses préférences. Il y en a pour qui c'est le networking, il y en a pour qui c'est autre chose. Et ça, c'est la représentation idéale. Quand tu vas sur un post LinkedIn, souvent, c'est OK, DevOps Engineer ou Full Stack Engineer. Alors, ce que vous devez faire, c'est écrire du Node, avoir de l'expérience sur Kubernetes, utiliser Docker, savoir être bon en MySQL, enfin l'ingénieur parfait. Et c'est pareil à chaque fois sur les deux fiches de poste, à chaque fois c'est ça. Et quand vous passez un entretien, vous avez souvent, enfin ce que j'ai vécu, souvent 5 entretiens, 4 entretiens, 2 sur la partie code où je code des programmes comme un développeur et 2 sur la partie culture G, infra, où je dois dire, OK, bah, je connais Kubernetes, je sais ce que c'est qu'un microservice, voilà comment je fais mon archi.
Mais dans la vraie vie, évidemment, je n'ai pas envie de faire les deux. J'ai envie de faire qu'un des deux. Je suis plus DevOps, je suis plus Ops que Dev. Donc, je n'ai pas vraiment envie de faire du 3/3. J'ai envie de dormir à chaque fois que je fais ça. Et la réalité, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez dans n'importe quelle boîte, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont bons en networking, des gens qui sont bons en dev, d'autres qui sont bons en front, des gens qui ont de l'appétence pour du design. Et voilà, et chacun peut évidemment éventuellement faire un peu le métier de l'autre, mais pas forcément de manière extensive ni aussi bien. En fait, il y a des appétences et une partie qui est un peu en surplus où moi, je fais quand il y a vraiment la nécessité de faire et qu'il y a des vies en jeu. Sinon, je ne fais pas vraiment du tout. Et tout ça pour vous dire que vu qu'on a des backgrounds différents, je suis sûr que vous êtes convaincus, y a besoin de différents dashboards. Et c'est de différents workflows, il y a différentes manières de penser les problèmes, différentes manières de les attaquer. Et ça, c'est un XKCD que j'aime bien. C'est quelqu'un qui dit, donc il y a 14 standards. Il y a une personne qui dit, mais 14, c'est pas possible, il nous faut un standard universel. La super bonne idée, c'est qu'en fait, il se retrouve avec 15 standards et pas 14. Pourquoi ? Parce que les gens, ils n'ont pas envie de travailler avec un seul standard et il y a un seul dashboard, une seule représentation d'un problème et chacun veut visualiser son problème à sa manière. Et chacun veut, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a besoin de différents dashboards pour différentes personnes. Pas forcément différents dashboards pour différents problèmes. Chacun veut penser ses problèmes à lui, comme il veut. Moi, par exemple, en tant que SRE, j'ai envie de voir mon networking, ma CPU, ma RAM, etc. Et ce que j'ai vécu à Hugging Face, par exemple, c'est que les gens avaient envie de voir plutôt les logs, plutôt le soft et aller débugger leur code plutôt que d'aller voir s'il y avait des problèmes de RAM, CPU, mémoire, ce que moi, je vérifie en premier. Enfin, évidemment, ce que je vérifie en premier, c'est le DNS. Et après, encore en deuxième. Et puis en troisième. Et après, je commence à débugger. Donc voilà, c'était pour la partie. Il faut des dashboards différents pour différentes personnes. Mais en disant ça, normalement, vous devrez vous poser plus de questions qu'autre chose parce que vous devez vous demander comment on fait, en fait, au final, pour avoir différents dashboards pour différentes personnes de manière uniforme et maintenable. Pas de manière aléatoire où chacun va sur Grafana, fait son dashboard avec des clics boutons et se finit avec un JSON très moche. Et c'est là où c'est important de savoir ce que c'est qu'un configuration language. Donc, je pense qu'on a à peu près tous vécu ça. Pendant les premières semaines, on se dit OK, YAML, c'est cool, on peut lire ça, c'est sympa, c'est assez simple et tout. Et au bout de la troisième semaine, on en a marre, on en a écrit des milliers de lignes et c'est très, très moche. Parce qu'on ne s'y retrouve presque plus. Pour faire un change, à chaque fois, il faut aller ouvrir 5 fichiers. Et ce n'est pas du tout maintenable. Donc, la seule, j'ai trouvé une comparaison avec Pokémon pour les langages de configuration. En gros, vous avez les fichiers de configuration, YAML, JSON, ACL, c'est un peu ça la mèche. Il est sympa, il est mignon, mais il ne fait pas grand-chose. Après, vous avez les langages de programmation, c'est un peu dracofeu, c'est trop stylé, vous pouvez faire trop de trucs avec. Mais c'est quand même un peu trop puissant, ça prend trop de place. Je ne sais pas comment ça rentre dans une Pokéball. Et après, vous avez les langages de configuration. C'est un super set des fichiers de configuration, style YAML, JSON, HL. HL, je ne compte pas, mais YAML, JSON, c'est un super set de ça avec juste les features qu'il vous faut pour en faire un langage de programmation, entre guillemets. Par exemple, de temps en temps, j'écris du YAML et de temps en temps, je me dis qu'est-ce que j'aimerais trop faire une loop ? Qu'est-ce que j'aimerais trop avoir un if là, maintenant, dans mon JSON ? Ça me permettrait de ne pas écrire trois JSON différents. Et c'est ça, un langage de configuration, il y en a plusieurs. J'ai mis GoTemplate, mais je ne suis pas sûr que ce soit un langage de configuration. J'ai plus l'impression que c'est un templating comme Jinja. J'ai juste mis comme référence. Les trois que je connais, que j'utilise, c'est DAL, JSONet et Q. JSONet étant celui qui est le plus connu, le plus utilisé. Donc là, je vais essayer d'ouvrir une nouvelle table pour vous montrer un peu je vais vous montrer deux trucs. À quoi ça ressemble, donc un peu les specs du langage et comment c'est utilisé. Wow.
Donc, du coup, en fait, ça ressemble à ça. Les fichiers, c'est un fichier avec un compilateur. Et vous avez un compilateur où vous pouvez compiler les JSONet files, ça se compile en JSON. En fait, parce que je n'ai pas réussi à inclure de manière très jolie les fichiers là, sur mon slide. Du coup, c'est pour ça que je vous montre ça. Donc, je suis désolé. C'est mes compétences limitées en slide. Et par exemple, il y a à moi les features que j'aime le plus, c'est les fonctions, les variables, les loops et les imports. Par exemple, ce que vous pouvez dire, c'est dans le JSONet, il y a une idée objet où vous pouvez référencer l'objet que vous utilisez qui est this.name. Par exemple, là, vous utilisez self.name et donc vous référencez le fichier, donc le JSON le plus proche avec le field name. Ensuite, vous avez des fonctions. Vous pouvez inclure des fonctions dans des... Comme la personne, vous pouvez inclure des fonctions dans des JSON. Et l'autre truc que j'aime bien, c'est... mais là, je pense que vous n'allez pas le voir, c'est les imports. Parce que vous pouvez avoir un import. Là, le troisième exemple, c'est pour rajouter on appelle ça une variable, des variables. Et la dernière que j'aime bien, c'est les imports. Et en fait, les imports, c'est assez simple. C'est, vous avez des librairies, un peu comme en Python où il y a des librairies, et vous pouvez importer les librairies qui contiennent des dashboards différents et les customiser avec des opérations d'objets style plus, inclusion, etc., etc. Donc, par exemple, je pense que là, il y a des imports. Donc, on importe différents dashboards. Ça, c'est les Kubernetes Mixins. C'est quelque chose que Nicolas a fait chez Hugging Face et qui était bien, mais pas de mots. Moi, j'aime moyen les Kubernetes Mixins parce que justement, ce n'est pas ma manière de réfléchir aux problèmes. Et je vous expliquerai plus tard ce que j'aime faire. Donc, du coup, là, vous faites des imports. Et ensuite, ce que vous importez, c'est des JSON que vous pouvez ensuite customiser en faisant des plus. Comme là, vous voyez, c'est un opérateur plus de points, de points. Voilà. Et du coup, là, le plus de points, de points veut dire donc prends le Grafana dashboard et ajoute-y les variables et rajoute-y le JSON que je te mets devant. Là. Je ne sais pas si c'est clair. Ça a l'air d'être n'importe quoi, en fait. Mais ça, franchement, c'est vraiment cool. Ça a l'air d'être un bordel, mais je te jure, ça marche vraiment bien quand il faut écrire plein de JSON. C'est bon, je peux continuer. Ça, c'était pour la partie langage de configuration. Et là, ma dernière partie, c'est dashboard as code, more code than ever. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus code que jamais. Ça ressemble plus à du code que jamais en utilisant des langages de configuration. Donc, ce que vous feriez si vous étiez DevOps SRE, que vous allez faire une librairie de dashboard pour que chacun puisse ensuite faire son propre dashboard, c'est où vous écrivez ça en JSON, mais c'est immaintenable. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris les JSON et les a mis sur GitHub qui sont fournis par Grafana, et c'est une très mauvaise idée. Vous pouvez le faire, mais c'est inutile. J'ai rarement vu quelqu'un maintenir ce code-là, en fait. Genre, ce code-là, c'est du code poubelle. Enfin, ça se met une fois sur GitHub et il faut le remplacer après. Ensuite, vous avez JSONet. C'est du code que vous pouvez maintenir. Et au final, vous pouvez aussi faire ça avec du Python. Mais je n'aime pas trop parce que je me dis Python, c'est Python. C'est pour écrire des apps et pas pour écrire de la configuration. J'aime bien penser Python comme... impératif, langage impératif et configuration comme des fichiers que j'édite plutôt qu'un programme. Voilà, c'est la différence que je fais entre... Après, vous avez différents niveaux d'abstraction. Moi, j'aime bien le niveau d'abstraction configuration language pour les langages pour gérer des confs. Donc voilà, finalement, ce que je vous propose, c'est comment moi, j'aime bien utiliser mon Grafana, mes dashboards. En fait, j'aime bien penser produit. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui maintiennent leur infra
sous forme de... Là, c'est Kubernetes, donc j'ai mes dashboards Kubernetes. Là, c'est un peu ce que font les mixins, et c'est pourquoi je n'aime pas forcément les mixins, c'est parce que ça pense solution et pas produit. Ça pense en déploie Kubernetes, donc on monitor Kubernetes. Et j'aime, enfin, je trouve que ça ne m'a jamais permis de résoudre un problème que de voir un dashboard de Kubernetes Mixins. Peut-être de temps en temps, quand j'ai plus de ressources sur un cluster, je me dis waouh, il faut rajouter un autre. Mais jamais, OK, alors j'ai un problème sur un bug, sur une appli, il faut savoir d'où ça vient, donc je regarde un Kubernetes Mixins. Et ça peut potentiellement venir de là, s'il y a un OOM ou un leak, ou etc. Mais rarement ça m'est arrivé. Donc moi, j'aime bien penser produit. Donc si j'ai, disons, 15 produits à gérer, j'aime bien avoir un dashboard par produit. Et dans le dashboard, j'aime bien avoir ce que Nicolas a pas, enfin, ce dont Nicolas a parlé tout à l'heure, la use method. Donc avoir à différents niveaux d'application, à différents niveaux applicatifs, avoir utilization saturation errors, qui est un pattern qui permet de résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça peut être au niveau des disques, ça peut être au niveau du network, ça peut être au niveau de l'application, ça peut être au niveau du request rate. Enfin, une fois que l'appli est faite, j'aime bien avoir ça sur plusieurs niveaux, le use sur plusieurs niveaux de l'appli. Et donc, ce que j'aime bien voir, c'est aussi ce que j'aime bien dire, c'est qu'un dashboard, c'est une view du statut du produit. Donc, en fait, si je vais voir mon dashboard au temps T, je me dis ce dashboard-là, c'est une vue au temps T de mon produit et de comment il agit. Et la dernière partie, désolé, c'est le seul slide où il y a plein d'écritures. La dernière partie, c'est Abuse Grafana. Ce que j'aimerais dire par là, c'est qu'en fait, vous pouvez inclure beaucoup, beaucoup d'informations sur un dashboard, mais qui peut sont complémentaires et pertinentes. C'est très, très dur, je trouve, de débugger à 3h du matin quand il y a 5 dashboards ouverts et qu'il faut trouver les bons dashboards avec les bonnes infos. Du coup, ce que j'aime bien, c'est avoir toutes les infos sur un dashboard. Par exemple, j'aime bien avoir mes exporteurs GitLab, Jenkins en fonction d'autres CI ou Argo CD et les inclure dans mon dashboard produit. Me dire, OK, quand est-ce qu'il y a eu un change? Après, j'aime bien aussi avoir mes Loki Promptail pour, donc c'est le produit la stack ELK, l'équivalent de la stack ELK pour Grafana, fourni par l'équipe Grafana, pour gather et query les logs. Comme ça, je peux aussi les inclure dans mon Grafana, dans mon dashboard. Et ensuite, donc, du coup, j'utilise les mixins, mais par produit. Donc, je n'utilise pas les mixins pour tous les produits. J'utilise les mixins pour un produit particulier que je tag pour voir les ressources, le networking, CPU, memory. Et Istio pour les applications networking metrics, donc les request rate, etc., etc. Un truc qui me paraît important, c'est puisque j'ai dit qu'il faut abuser des dashboards et qu'il faudrait avoir un dashboard par personne, ce que je mets juste après. Donc du coup, il faut que les dashboards soient searchable. Et l'idée, c'est comment je fais moi, c'est je rajoute des tags, plein de tags que je rajoute. Donc du coup, j'ai un produit. Par exemple, j'ai le produit, la région, l'availability zone, je ne sais pas quoi, le cluster en tag. Et comme ça, je peux juste chercher, par exemple, API cluster B, etc., etc. Et je retrouve exactement le dashboard qui est statique pour le coup, qui est as code, qui est, comment on dit, sur Git, versionné sur Git. Et je le retrouve facilement sans forcément chercher sur mes 50 dashboards. Et ensuite, voilà ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut avoir un dashboard. Enfin, ce que j'aime bien, c'est avoir mon folder à moi où personne touche. Et du coup, ça, c'est debunking le mythe. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est le DevOps parfait, il est à mettre à la poubelle. Je pense que ça, jamais j'en ai rencontré qui était aussi bon en networking système qu'en dev 3/3. Il y a toujours des compétences à droite, à gauche qui sont... C'est jamais équilibré, c'est jamais parfait, très, très bon partout. Et ensuite, donc mon zero job, c'est plutôt, je vais fournir les outils pour les devs qui, eux, vont consommer mes outils. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'écris les librairies, les dashboards. Non, j'écris les panels sur Grafana. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, j'ai fait... Ah, je pensais que vous connaissez. Enfin, je me suis dit, vous connaissez.
Du coup, je crée mes panels sur Grafana. Et ensuite, moi, je les agence comme je veux en fonction de ce que j'ai envie de voir, quand, où, comment, etc. Est-ce que j'ai envie d'avoir des variables ou pas. Et ces panels-là, vu qu'ils sont sur Git, comme vous avez vu avec les mixins, eh ben, n'importe qui peut faire import the dashboards et les agencer comme il veut sur son dashboard à lui qui est versionné sur son Git à lui. En gros, laissez-moi tranquille, quoi. Non, je dis ça. Et je pense que c'est tout bon. Ouais, voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup, Omar. C'était super intéressant aussi. Je pense qu'on va essayer. En tout cas, moi, je voulais aller tester un peu plus chez SoundNet. Je n'avais pas testé avant. Du coup, ouais, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster les questions dans le chat. Et comme ça, on fait une petite session de questions-réponses à la fin. Voilà, du coup, on passe à la présentation suivante avec Sacha Simon. Hop, que je vais partager. Bonsoir à tous. Du coup, on est Sacha et Simon. On vient de deux entreprises différentes. Donc, on va en parler un peu. Moi, je viens de chez Meilleurs Agents. Alors, je suis un peu intrus ce soir. C'est Sacha qui m'a incrusté. Moi, je suis développeur front. Voilà, donc, pas tapé. Chez Meilleurs Agents, donc, une plateforme web qui met en relation des particuliers vendeurs de biens immobiliers avec des professionnels de l'immobilier. Notre prod, elle est sur GCP avec environ 60% de nos apps dans Cube et 40% d'apps legacy qui ne sont pas encore migrées, qui sont dans des machines virtuelles. Niveau web, donc dans mon équipe, ça représente environ 46 développeurs avec moite-moite front et back. Et on a une équipe de 8 SRE et on en cherche d'autres. Voilà. Du coup, moi, c'est Sacha. Je suis SRE chez Paddock. Donc, nous, on est une boîte de services où on fait du build d'infra, de la sécurité, du run. Aujourd'hui, on est environ 50 avec du coup une trentaine de SRE et on recrute en nombre non limité. Super. Donc, on va vous présenter un petit peu un projet qu'on a fait du coup, cet été avec Paddock qui était de refaire notre environnement de dev. Donc pour ça, je vais vous présenter un peu l'environnement de dev tel qu'il était avant l'aide de Paddock. Donc, au tout début, moi, quand je suis arrivé chez Meilleurs Agents, on avait le besoin du coup d'avoir toute la plateforme de prod répliquée quelque part et pouvoir la modifier. Donc, ça représente à la fois un site web, des outils authentifiés pour les agences immobilières. Et ce dont on avait besoin, c'est que ça se comporte un peu comme le site avec des URL qu'on peut consulter, qu'on peut donner aux différentes personnes des équipes, donc que ce soit le produit ou les designers, et que ça se mette à jour facilement dès qu'on merge une pull request ou dès qu'on fait des petites modifs de configuration, et surtout que ce ne soit pas accessible à l'extérieur de l'entreprise, donc hors VPN ou en dehors des locaux. Ça c'est une vue très très simplifiée où je n'ai pas mis toutes les applications, mais on a en gros des applications Flask, donc en Python, qui représentent soit les API, soit l'ancien site web. Et à côté de ça, on a des front-end React, donc, qui sont soit des single page apps, donc juste un index.html et des fichiers statiques qu'on envoie, soit il y a aussi un front next, donc là, c'est plus du node. Et à côté de ça, on a des API internes qui sont pas disponibles publiquement pour les apps front-end, mais qui sont requêtées par les apps back-end, plutôt les apps Flask. Voilà, donc à la base, à la toute base, quand on était une quinzaine de développeurs, on avait une seule machine virtuelle sur laquelle on faisait tourner tous les services via SystemCTL.
Du coup, c'était parfois un peu compliqué. Donc, on voit que il y a tous les développeurs qui se connectaient soit en SSH, soit avec différentes méthodes pour aller faire leurs petites modifications, chacun avec le gros repo dans le home directory. Donc, ça marchait jusqu'à un certain moment. Après, on a vu des limites. Voilà, donc, et aussi, on avait le laptop des gens qui était voilà, MacBook avec 16 Go de RAM et on l'utilisait juste pour aller modifier du code. C'est pas très, très efficace. Donc, les problèmes qu'on rencontrait là-dessus, c'était souvent disque plein. Pour router en fait, les URL, on avait une config Nginx très, très, très compliquée. Et dès que quelqu'un jouait avec, ça cassait tout. Et voilà, il y a une seule machine, donc si on casse un truc, c'est cassé pour tout le monde, donc productivity killer. Donc en 2018, on a commencé à le faire évoluer, on s'est dit, on va faire une machine par développeur, comme ça, s'il y a une machine qui casse, eh ben, ça embête que le développeur. On a vu que c'était une machine par développeur, il a fallu penser un peu à industrialisation et voir comment créer ces machines. Donc on a utilisé Terraform et Ansible pour le provisioning. Après, il y avait un script shell. D'ailleurs, ce n'est pas interactif, c'est non interactif, pardon. Parce que sinon, c'est un peu chiant. Qui, en gros, clone les repos qui vont bien, installe les outils qui vont bien et fait toute la configuration système CTL en approximativement une heure. Donc, c'est un peu long à provisionner comme machine, mais ça marchait bien à la fin. Et c'est le même système. Après, les développeurs, ils se connectent dessus, leur MacBook sert de terminal et ils font les modifs dessus. Bon, les avantages et les inconvénients de cette dernière méthode, c'est que donc plus de conflits sur le file system parce qu'il y a une machine par développeur. L'URL, c'est pareil, on n'a plus de config Nginx compliqué à faire. Elle est disponible soit sur le VPN, soit dans les locaux. C'était facile en fait, vu que le code est sur une machine distante, tout le temps en train de fonctionner avec des démons. Donc, très facile je vais modifier le code, je rebuild et voilà, c'est disponible pour n'importe qui dans l'open space. Et les limites qui nous ont poussé du coup, à faire appel à Paddock pour essayer de repenser la façon dont c'était fait, c'est que voilà, sur la machine, il y avait pas mal d'outils un peu. Le scripting, que ce soit du shell, système CTL, j'en ai parlé, ou à la fin, on commençait à dockeriser les apps, donc il fallait comprendre comment relancer les apps avec Docker. Donc pour certains développeurs, c'était compliqué de débugger ça, on a voulu évoluer. Encore le problème de disque rempli, donc ça, c'était un peu lourd, et il fallait savoir comment vider son disque, on a fait des petites commandes. Il y avait des problèmes de coût aussi, qui pouvaient être modérés, par le fait qu'on a mis en place des life cycles, donc ce qui permettait d'éteindre les machines la nuit. Donc, on avait des coûts qui étaient moins importants, mais quand même, c'était pas ouf. Et surtout, l'avant-dernier, un truc avec lequel on a pas mal parlé avec notre département SRE, c'est que l'archi, du coup, était très différente de la prod, parce qu'on avait tout sur une VM, alors que sur la prod, on commençait à avoir des trucs dans Kubernetes, on avait des trucs séparés dans des VM. Et du coup, c'était assez dur de répliquer des comportements de prod au niveau des problèmes. Et voilà, comme je l'ai dit, maintenant, on est entre 40 et 50. À l'époque où on était 20-30, ça marchait encore, ça. Et le passage à l'échelle n'a pas vraiment fonctionné. Du coup, comme je l'ai dit, on a fait appel à Paddock, donc avec une équipe, je crois, de 3 SRE, c'est ça, ouais, ça bon, 3 ça, SRE. SRE et du coup on leur a donné des objectifs donc on voudrait s'il vous plaît un environnement qui marche bien avec nos applications qui serait provisionnable assez rapidement, je crois qu'on avait mis 5 minutes pour provisionner l'environnement et qui soit réplicable, enfin qu'on puisse avoir un environnement par équipe et qu'on puisse développer en local aussi sur les applications, donc un peu la liste au Père Noël. Donc, je vais laisser Sacha expliquer un peu l'infra qu'ils ont mis en place. Ouais. Du coup, par curiosité, qui connaît Argo CD ici?
Ok, cool, ça va être plus simple. Je vais vous montrer l'infra qu'on a montée pour répondre aux différentes problématiques que nous ont présentées les développeurs de meilleurs agents. Vu que je ne savais pas trop si vous connaissez Argo CD ou pas, j'ai fait un petit rappel vraiment du principe de base. Je ne vais pas faire un cours complet sur Argo CD parce que ça serait beaucoup trop long et que je ne maîtrise pas à 100% l'outil non plus. Argo CD, c'est un opérateur qui va définir plusieurs CRD et celle qui va surtout nous intéresser pour cette présentation, c'est les applications. Les applications, c'est globalement une ressource, on va dire, tiens un URL d'un repo Git, tiens une branche, tiens un endroit dans le repo Git, déploie-moi ça dans Cube, dans ce namespace-là. Ce qui est très très cool aussi, c'est que les applications, elles peuvent déployer des applications et que donc Argo CD, il est capable de se déployer tout seul. Voilà. Donc ça, c'était ce principe de déployer Argo CD avec lui-même. C'est ce qu'on appelle le pattern d'application. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail que ça. On a les concepts de base qui vont nous suffire. Je laisse passer. Je vous présente l'architecture globale qu'on a mise en place chez Meilleurs Agents. Donc on va retrouver des trucs dans un namespace system très classique, un cert manager, un ingress controller, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. On a un namespace où il y a tout ce qui va être relié à Argo CD. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est le namespace environnement, qui est quelque chose en fait, qu'on va répliquer à chaque fois qu'on veut créer un environnement et on va devoir redéployer toute la stack applicative de meilleurs agents dedans. Je laisse passer. Voilà. Simon, vous avez présenté la stack applicative simplifiée de meilleurs agents. Là, je vous en présente une version un peu plus compliquée avec les différentes connexions entre les apps. Là, il manque encore quelques apps, mais en gros, toute la problématique qu'on a eue, c'est on veut avoir des ingresses pour chacune de ces applications, comment on fait pour qu'il n'y ait aucune configuration à faire par les développeurs à chaque fois qu'on veut recréer un environnement. Je te laisse passer. Du coup, pour ça, on a créé un super chart Helm qui s'appelle le chart environnement. Qu'est-ce que fait le chart environnement ? Il crée des templates du coup, d'applications Argo CD que je vous ai présentées avant. En fait, il va créer ces applications-là qui vont en fait synchroniser du coup tous nos déploiements de nos charts sur une branche environnement donnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'utilisateur quand on veut créer en fait un nouvel environnement ? On vient créer une branche. Ça, c'est un script qui le fait. En fait, cette branche, elle va du coup copier les charts, enfin, elle va récupérer les charts, appliquer du coup, créer des values pour les charts Helm à partir de templates pour la plupart. Et en fait, une fois que cette branche elle est créée, elle est push sur le repository existant, ça va trigger une GitHub action, ce qui va générer du coup une application Argo CD qui vient watcher notre chart environnement, qui va déployer nos applications, qui va déployer nos applicatifs. Voilà. Il y a un avantage aussi à ce système, c'est que Argo CD, Helm, comme vous le savez, on peut utiliser différents fichiers de values. Du coup, en fait, on peut créer des fichiers de values common, notamment pour la plupart des confs des applications qui peuvent être réutilisées entre les différents environnements. Et en fait, on n'a pas du tout à templétiser. On a uniquement à templétiser en fait, le fait de créer des ingress et les values d'environnement qui vont servir de ces ingress. Pour tout ce qui est communication de back-end à back-end, en fait, on peut juste se servir du système de service interne de Kubernetes. Et ça, ce n'est absolument pas à templétiser puisqu'on remet toutes les applications dans un namespace donné. Voilà, je te laisse passer. Et du coup, en fait, on se retrouve dans Argo CD avec une espèce d'app ici, comme ça, générale, qui va déployer toutes nos applications. Et après, on peut accéder à chacune des applications pour voir ce qui est déployé dedans. Je te laisse passer. Voilà. La deuxième problématique, c'était comment on fait en sorte d'être sûr que dans tous les environnements, toutes les applications soient en accord avec les versions qui sont déployées en production. Du coup, pour ça, on a utilisé Argo CD Image Updater, qui est développé par les gars qui développent Argo CD, et qui est du coup un petit outil qu'on déploie à côté d'Argo CD et qui a un cycle de vie très très simple. C'est il vient de checker la version qui est déployée au niveau d'une application. Il va demander à notre container registry c'est quoi globalement la dernière version en date. S'il y a une différence, il vient modifier les manifestes dans le repo Git pour changer la version. Et une fois que ça c'est fait, c'est Argo CD qui fait le reste de son travail. Il synchronise du coup cette application avec une nouvelle version et il la déploie en Cube. L'idée, c'était qu'on voulait être sûr que ça ne prenne pas trop de temps de redescendre ces versions de production. Donc en fait, le lifecycle d'Argo CD, il est paramétrable et du coup, il tournait toutes les 2 minutes. Et ça assurait qu'on est au bout de 5 minutes, on était sûr que la dernière version était publiée dans le repo. Une autre problématique, c'était que
quand on développe, on a forcément envie de tester des nouvelles versions de notre application. Du coup, pour ça, il faut qu'on puisse en fait override ce système-là pour pas que Argo CD mette à jour les applications. Du coup, ça, en fait, c'est géré directement au niveau de tous les charts applicatifs où, en fait, au niveau de l'image, on n'a pas gardé ce que fait Helm de base, mais on a mis cette super ligne-là que je ne vais pas détailler. Si vous voulez la reprendre, je pense que les slides seront soit mises à disposition, soit je pourrais l'envoyer si jamais ça vous intéresse. Mais globalement, ce que ça dit, c'est si dans les values, on a un override tag, tu utilises l'override tag et sinon, tu utilises le tag qui est fourni dans le chart. Au niveau d'Image Updater, je vais vous présenter un peu comment ça se configure parce que ça va me permettre de parler d'un problème qu'on a eu après. Je pense que si vous voulez vous en servir, vous serez content d'être au courant. Du coup, Image Updater, on peut lui définir différentes stratégies d'update. Aujourd'hui, il y en a 4. Je vais vous en présenter que 2 parce que c'est les deux seuls qu'on a utilisés. Il y a une première stratégie qui est la stratégie latest. En gros, on donne à Image Updater une regex à suivre et quand il va demander au container registry quelles sont les dernières versions, en fait, il va s'intéresser que aux versions qui correspondent à cette regex. Et s'il y a une nouvelle version qui correspond à la regex, et ben là, il va faire son commit. Sinon, en fait, il ne fait rien. On a la stratégie, mais ça implique du coup d'avoir un tag qui change à chaque fois. C'est la problématique. Il y a une deuxième stratégie qui est intéressante qui s'appelle la stratégie digest où là, en fait, il va tout le temps suivre le même tag. Donc, dans le cas de meilleures agences, c'était FRProd, mais classiquement, on peut utiliser le tag latest ou stable. Et en fait, là, il ne va pas du tout du coup comparer le tag, mais en fait, il va comparer le digest de l'image qui est déployée par rapport au dernier digest de ce tag. Et si bah, le digest, il a changé, il vient faire un commit dans le repo. Voilà, je laisse passer. Du coup, comme je disais, je vais vous présenter certaines limitations de cette architecture qu'on a eue et comment on a réussi à la faire scale. Du coup, au niveau d'Image Updater, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, au bout d'un moment, quand on faisait des tests et parce que bah, les équipes de meilleurs agents commençaient à servir de l'environnement, on s'est retrouvé avec 11-12 environnements, chacune qui comprenait plus de 50 applications. Donc, on s'est retrouvé avec vraiment beaucoup d'applications dans l'environnement. Et Argo CD et Image Updater qui faisait son check du coup sur ces 12 fois 50 plus applications toutes les 2 minutes. Sauf que l'information qu'on n'avait pas et qu'on a trouvée dans une issue GitHub, c'est que Argo CD et Image Updater, il ne fait pas une requête à GCR à chaque fois, il en fait 3. Et GCR, il a un rate limiting de 10 000 requêtes par 10 minutes par IP, et du coup, eh ben, on a fait exploser le quota. Ce qui fait que le nœud sur lequel était Image Updater ne pouvait plus pull aucune image. Et du coup, y avait certaines applications qui ne se mettaient plus à jour, voire qui n'étaient plus disponibles. Un deuxième truc qui s'est passé avec Argo CD et Image Updater, c'est qu'en fait, dans le fonctionnement, en mémoire, il se sert du coup de l'image et pas du nom de l'image. C'est-à-dire, si on dit que ça, c'est l'image de l'Agency API, par exemple, en fait, il ne va pas se servir de ça dans sa mémoire, mais vraiment de eu.gcr.io/agency-api. Et ça fait que du coup, si dans 2 environnements différents, on n'utilise pas la même stratégie pour une même image Docker donnée, et bah, il va un peu s'embrouiller et commit ce qui lui vient par la tête en disant oh, bah, ça c'est un chasum, mais je te donne un tag, ou ça c'est un tag, mais je te donne un chasum. Et du coup, bah, on avait quand même pas mal d'applications qui se déployaient plus. Alors comment on a fait? Et bah, on a shardé Argo CD Image Updater. Parce qu'ils sont quand même assez cool et dans la configuration, ils nous laissent dire en fait, cet Image Updater, il va s'occuper que des applications qui sont préfixées par tel nom. Et vu qu'on avait eu la bonne idée de préfixer tous les noms d'applications dans l'environnement par le nom de l'environnement, bah, ça marchait plutôt bien. Et après, au niveau de la topologie, on peut se débrouiller pour être sûr que chaque Argo CD Image Updater ne soit pas sur le même nœud. Et du coup, plus de problème que ce soit au niveau des limites ou des différentes stratégies. Le deuxième problème qu'on a eu, c'est qu'Argo CD, au bout d'un moment, avec 600 applications sur 12 branches, il ramait un peu. Pourquoi ? Parce que Argo CD, il va cacher les repos, mais la clé, enfin le dossier où il va le cacher, c'est dans un slash TMP quelque part, sauf que ce qu'il cache, c'est unique pour le repo et pas pour le repo pour la branche. Ce qui fait que, vu que nous, on gérait plusieurs branches en même temps, il était obligé de check-out à chaque fois, il s'en sortait très mal, il faisait des resets hard, et en fait, on n'avait aucun cache de notre repo qui existait, et donc on avait ball scale, ça ne servait strictement à rien. Du coup, pareil, on a shardé Argo CD. Alors, comment on sharde Argo CD? En fait, ce qui est très sympa, c'est que Argo CD, il va s'occuper de synchroniser que les applications qui existent dans son namespace. Par contre, on peut quand même lui dire de créer des applications dans un autre namespace.
Donc, en fait, au niveau du chart environnement, les applications qui vont déployer les applicatifs de meilleurs agents ne vont pas être créées dans le namespace d'Argo CD. Ils vont être créés dans un autre namespace. Et dans ce namespace, on va déployer un autre petit Argo CD qui va du coup s'occuper de créer toutes les ressources associées à cette application. Ce que ça permet d'avoir, c'est un Argo CD global, au lieu de gérer 600 applications, en fait, il en gère moins d'une centaine. Et chacun des petits Argo CD, ils vont en gérer 50-60. Et en fait, la synchronisation est revenue. Cela dit, ça pose un petit problème. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que Argo CD, il y a deux moyens de le synchroniser sur un repo. Soit il a un life cycle, donc par défaut, toutes les 2-5 minutes, il va checker le repo, il regarde s'il y a des diffs et il fait les changements. Soit on peut le trigger par un webhook. Sauf que, sachant qu'on est derrière un VPN, rajouter dans notre ingress général des exceptions pour que GitHub puisse ping sur les routes de webhook de chacun des Argo CD, c'est compliqué parce que les load balancers Google, c'est très long à mettre à jour. Et du coup, on perd un peu le côté dynamique, on arrive à générer des environnements en moins de 5 minutes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a exactement le même problème avec notre hôte de proxy, où c'est compliqué en fait, dans la conf de l'hôte de proxy d'aller rajouter à la volée des nouveaux URL pour notre Argo CD. Et surtout, en fait, on se sert de l'OpenID client de Google. Et ça, en fait, on n'a aucun autre moyen que d'aller mettre les routes de callback à la main dans GCP. Après, comme tout était derrière un VPN, c'est un trade-off qu'on a présenté qui était possible de juste plus mettre tout ça derrière l'hôte de proxy. Ça, ce n'est pas encore tout à fait en place pour la poké. C'est à meilleurs agents de voir s'ils veulent le déployer. On a fait toute une doc pour leur expliquer comment. voilà, je vais repasser la main à Simon, du coup, qui va vous présenter comment ils servent de tout ça au jour le jour. Ouais. Et ben, du coup, on a jeté nos VM et puis on a commencé à regarder un peu comment ça se passait du côté d'Argo CD. Donc le workflow aujourd'hui, le développeur front ou back va lancer l'application en local, que ce soit avec Docker Compose ou avec Node et NPM pour les fronts, on n'a pas vraiment besoin de cette abstraction. La récupération des secrets, du coup, se fait avec le Secret Manager de GCP, un petit outil qui s'appelle Berglass, qui est associé à qui est fourni par GCP pour du coup requêter le Secret Manager. Les API du coup qui sont consommées sont directement dans le cluster et sont liées à l'équipe. Maintenant, on n'a plus une machine par développeur, mais on a une machine par équipe. Ce qui fait que quand je commence à bosser par exemple sur une application, je vais dire généralement la config, j'ai une config pré-générée avec des placeholders. Généralement la config et moi je suis dans telle équipe et du coup derrière ça tape automatiquement sur les bonnes API. On a uniformisé un peu les commandes make pour que dans tous les repos sur lesquels on passe ce soit facile de pousser une image Docker et ensuite pouvoir l'installer sur Argo CD. Et on a aussi un mécanisme avec une combinaison du nom de la branche et d'un hash de commit qui nous permet d'avoir un tag qui est un peu consistant partout. Donc on peut le tag Docker, une fois qu'on a fini de développer, on peut soit le faire à la main, soit on peut attendre que Jenkins nous le fasse. Ça, c'est un peu royal. Du coup, il y a Jenkins qui vient nous voir au bout d'un moment et qui nous dit c'est pour une app front, donc c'est très très rapide, hein, le build et la publication, étant donné que c'est copier des fichiers statiques. Mais à la fin, il me dit tu as telle image, donc le fixes tech 2783 avec le H derrière, qui a été poussé sur le registry. Donc on utilise le registry de Google. Et une fois que j'ai ce nom de tag, en fait, je peux directement. Peut-être sauter une étape, mais je peux directement, en fait, avec des outils, que ce soit directement sur le repo Git qui écoute Argo CD, mettre à jour mon application et Argo CD va venir mettre à jour mon appli. Alors, dans le workflow, on a trouvé ça, certains développeurs ont trouvé ça un peu lourd de dire quand j'ai fini de développer, en fait, il faut que j'aille faire un commit ailleurs sur un autre repository d'un truc que je serais allé chercher sur Jenkins et ensuite il faut que j'attende que Argo CD écoute ce truc. Donc
Il y a Padoc qui nous a écouté et qui a fait une petite ligne de commande qui permet de piloter entièrement le repository Git qui est derrière le cluster Argo CD. Donc il y a tout un tas de commandes si on veut créer des nouveaux environnements, ça utilise des templates, mais le truc qu'on va utiliser le plus en tant que développeur, ça va être l'override, donc le fameux override tag dont Sacha parlait tout à l'heure. Et donc là, avec la commande status, je regarde un peu s'il y a des trucs qui ont été modifiés sur mes différentes apps. Donc là, on peut voir que sur trois de mes apps, des apps de mon équipe, il y a le service qui a été overridé. Donc il y a potentiellement moi ou un autre développeur qui est en train de tester quelque chose avec une version custom dans le cluster. On peut aussi voir si l'application elle est un peu en retard sur le master du repository, parce qu'on travaille par branche d'environnement, et si on ne met pas à jour en fait, la branche de son environnement, on peut avoir du retard par rapport au master qui se met à jour avec les bonnes variables de config. Donc, on peut savoir c'est potentiellement une cause de mon app marche pas bien sur mon cluster. Voilà. Et ça, c'est le process d'override qui, derrière, en fait, la petite ligne de commande, ce qu'elle va faire, c'est faire un commit à ma place, mais au bon endroit, dans le bon fichier. Et derrière, en fait, voilà, ça enchaîne. Donc, il y a un commit sur le repository qui est branché derrière Argo CD. Là, c'est une capture de Argo CD qui a chopé le commit. Et ça, c'est vraiment un enchaînement de... tout ça s'est passé en moins d'une minute, en fait. Et là, du coup, ce qu'on voit pas en dessous, c'est il est venu mettre à jour mon app là qui s'appelle du coup Estima avec la nouvelle version. Et moi, moi ou n'importe qui de mon équipe peut aller la consulter et il y aura mes modifications dessus. Les petits compromis du coup qu'on a dû faire sur ce projet. Donc, j'ai parlé de certaines API internes. Qui ne sont pas du coup disponibles directement via URL. On utilise une petite application qui s'appelle Téléprésence qui va faire des petites modifications DNS et se brancher via le réseau sur le cluster et permettre d'accéder du coup à ces apps ou alors de brancher son environnement local à la place d'une des apps sur le cluster. Et c'est le seul moyen qu'on a trouvé de faire ça avec cette application. Et elle a quelques défauts, elle consomme un peu de ressources et surtout des fois elle se met à planter, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, sur ce truc-là, on est encore en train de chercher des solutions alternatives. On est aussi passé, comme je l'ai dit, à un environnement par équipe versus un environnement par développeur auparavant. C'est pas vraiment gênant en fait parce qu'on n'est pas des très grosses équipes, on est des équipes de 5-6 développeurs. Donc, il suffit de se parler ou alors il y a un mécanisme de duplication d'app qui est possible si on veut travailler à deux sur la même application. Un autre compromis, c'est qu'on a gardé une seule, par application, on a gardé une seule base de données de dev qu'il est possible d'overrider, mais par défaut, on est tous sur la même base. Donc, si quelqu'un va péter quelque chose ou faire une migration un peu trop violente sur cette base, ça peut potentiellement encore impacter toutes les équipes. Et le dernier compromis, c'est plus un risque, c'est quand le cluster est down, en fait, toutes les équipes sont down. Mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit une chose si négative que ça, parce que au moins, si c'est cassé pour tout le monde, on s'y intéresse et puis tout le monde va mettre de l'effort pour réparer. Les apprentissages de ce projet. Premièrement, on s'est rendu compte parce qu'il y a eu un gros boulot d'adaptation de certaines apps pour qu'elles puissent tourner dans un cluster cube, et on s'est rendu compte que nos apps elles n'étaient pas si prêtes que ça pour tourner dans un cluster cube. Il y en avait dans lesquelles il manquait les probs, il y en avait dans lesquelles le scale est pas sur les bonnes metrics, et du coup ça se vautrait un peu au début, mais voilà, à l'aide de Padoc on a réussi à ajuster quelques trucs. C'était très très efficace de focus des personnes, les intervenants de Padoc sur un seul projet en leur disant voilà, vous avez tels objectifs. Eux, ils marchaient en itération de sprint avec
on se revoyait tous les sprints pour faire un petit point sur les tâches qu'ils allaient prendre et tout. Mais c'est, bah, du coup, ils étaient super focus sur ce qu'ils faisaient et ça avançait bien. Du coup, on était contents, quoi, parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser le truc alors que ça fait que, je crois, 4 mois qu'on a commencé le projet, quoi. Un autre truc qui peut paraître évident, mais les développeurs ont eu besoin pas mal d'accompagnement, surtout pour la partie front, pour des technos qu'ils ne maîtrisaient pas et qu'ils n'utilisaient pas forcément au quotidien. Donc, essayer de comprendre un peu les bases de Kubernetes et de Docker pour ceux qui ne l'utilisaient pas encore. Et voilà, donc on a eu pas mal de documentation qui a été écrite. Et c'était aussi intéressant d'avoir une ligne de commande qui a été écrite pour abstraire des actions répétitives et un peu compliquées pour des utilisateurs un peu lambda. Et la suite, pour Meilleurs Agents, on va du coup essayer de migrer nos apps qui ne marchent pas bien sous Kubernetes en production, histoire d'avoir une stack hétérogène, plutôt une archi hétérogène en production, quoi. Du côté des développeurs, essayer de mieux comprendre Kubernetes et comment ça fonctionne, comment faire des apps qui sont prêtes pour Kubernetes et maîtriser un peu l'outil. Au-delà de ça, on va essayer de voir si l'app qu'on a mis en place, l'archi Argo CD qui a été mise en place là, est potentiellement utilisable dans un environnement de production. Et pour ça, on va peut-être continuer à bosser avec Paddock parce qu'on est content de ce qu'ils ont fait sur l'environnement d'intégration. Voilà pour nous. Merci beaucoup, Sacha Simon, c'était super intéressant. Du coup, on va passer à la partie des questions. Du coup, je vais regarder les questions qui étaient sur le chat. Mais en attendant, si vous avez des questions ici dans la salle, déjà, il y a une question. On parle au micro pour Bonsoir à tout le monde. Merci pour les présentations déjà, c'était super. Moi, j'ai 2 petites questions donc pour Nicolas déjà. Et puis, en fait, j'ai la même question pour Sacha et Simon. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience. Est-ce que vous pourriez aussi nous donner combien de temps ça a pris, Nicolas, toi, pour résoudre tous les soucis que tu as eus et Simon, Sacha, pour mettre tout cet environnement de dev en place? En tant que retour d'expérience, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cette donnée temporelle. Donc, on peut commencer par Nicolas, si tu veux répondre à la question. Si tu es encore là. Bon, il vient de dire à moi, je ne sais pas si on peut, il faut que son micro est coupé, mais... Oh, peut-être qu'il faut lui redonner les droits pour... Ouais, c'est ça, mais ce n'est pas moi qui ai les droits, je pense que c'est Manuel. Bah, tu peux répondre par le chat. Ouais, ça fait... Ouais. Nicolas, j'attends Emmanuel qui arrive pour... Du coup, Simon Sacha, en attendant... Du coup, la mission, elle a duré 5 mois. Après, on n'a pas fait que la plateforme. On a passé quelques semaines à remettre, à redéployer toutes les applis internes sur l'envoi de dev qui n'étaient pas toujours maintenues. Il y a une grosse partie dockerisation. On a dockerisé 11 apps, si je ne dis pas de bêtises. Et après, la plateforme, donc vraiment le cœur du truc, ça a duré 2 mois et demi, 3 mois à peu près. En ordre d'idée, déployer Argo CD, c'est une après-midi. Écrire 50 chartes Helm, c'est 2 semaines. Et après, tout le reste, c'est, on essaye un peu de trouver des solutions à tous les problèmes. Et ça, ouais, 1 mois et demi, 2 mois. Quoi. Merci. Je vais essayer d'écouter, donner des droits à Nicolas. Du coup, c'est bien 5 mois donc, entre la définition initiale du projet et la... Okay. Je vois que Nicolas est on mute. Oui, vous m'entendez? Oui, tu avais une question, Nicolas. Pardon, excuse-moi, je peux répéter? Sous le chat, tu avais une question. Oui, la question, c'était... j'ai vu que... le schéma en 2018 où ils étaient plusieurs devs, c'était la question, c'était combien il y avait de devs qui étaient meilleurs agents sur ce schéma. Alors si je ne me trompe pas, on était entre 20 et 25 à cette époque-là. Ah oui, ok.
Et on est resté avec ce système-là jusqu'à fin août là, 2021, où on était plus de 40 et où ça ne marchait plus du tout parce qu'on a atteint des quotas côté GCP. Alors, c'était des règles de load balancing parce qu'on avait beaucoup trop d'URL, je crois. D'accord. Ok, merci. Et pour répondre à la question, je ne sais pas qui a posé la question. C'est Mathieu au premier rang. Ok. Eh bien, on a mis, disons, un mois. En fait, je disais qu'on avait travaillé tout de suite après une fois que l'ingénieur est revenu le lendemain. Mais on l'avait quand même en tâche de fond. Parce qu'il y avait des choses qui étaient plus importantes à faire. Donc, ouais, un mois en tout pour fixer le souci. Ok, et j'ai une deuxième question, donc j'y suis tout vite. Donc là, c'était un problème de unexpected upgrade au niveau, donc je pense que c'était un Ubuntu ou un Debian qui roulait sur... C'était un Ubuntu, ouais. Est-ce que vous avez envisagé de changer un peu de distro pour aller sur du Kubernetes distro orienté ou des choses comme ça, ou pour l'instant, vous restez sur ce genre de distro Non, pour le moment, la question ne s'est pas posée, en fait. On sait qu'on pourrait résoudre le problème en mettant du Golden Image, donc c'est pas la priorité en tout cas. Ok, ça marche, merci. Je t'en prie. Tu pensais à Flatcar par exemple ? Non, okay. Flatcar est supporté par COPS aussi, donc c'est pour ça que je posais la question. Ça marche. Si quelqu'un d'autre a une question ? Cette question, j'avais aussi une question pour Sacha, Simon. À niveau après de la solution qui a été mise en place maintenant, à niveau de l'organisation, l'idée c'est qu'après soit les gens des meilleures agences qui prennent la main sur ça, du coup il faut les former, ou l'idée c'est que continuer à travailler en gros, c'est parce que j'imagine que là ça marche, mais il va falloir maintenir ça après. Alors ouais, c'est peut-être un truc que j'ai oublié de préciser, mais au passage, on a quelqu'un chez nous, un back-end qui est passé Productivity Engineer et qui est du coup en charge de la maintenance active, on va dire, sur le cluster Ergo CD, donc qui a pris la relève de ce que faisait Paddock au quotidien. Et aussi, on a ce qu'on a appelé au sein des devs des champions ops qui vont suivre des formations Kubernetes et qui feront office de point de contact privilégié au sein des équipes sur les techno SRE et qui pourront résoudre certains problèmes. Sans avoir forcément à se tourner tout le temps vers l'équipe SRE pour dire ça ne marche pas. On espère. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? Nicolas, il a une question. Ouais. Nicolas, je pense que tu veux parler. Ton micro s'est activé à nouveau ? Ok, hop. Là, ça doit être bon. Ouais, désolé, je laissais le micro ouvert. Question, c'était aussi pour Meilleur Agent. La personne qui représente Meilleur Agent. Attends, je l'ai perdu ma question. Elle va revenir, petite seconde. Oui, c'était non, plus pour Paddock. La CLI qui l'a montré, j'étais plus intéressé sur comment. Il récupérait les statuts pour chaque développeur. On voyait un tableau avec les statuts. Ouais. En fait, du coup, ça, c'est la clé qu'on a développée. Du coup, pour info, c'est en Golang. En fait, on utilise un module qui s'appelle GoGit. Et du coup, à chaque fois qu'on lance une commande, alors, on a pris le parti de à chaque fois recharger le repo in-memory, histoire de pas avoir à gérer tous les files système de tous les utilisateurs. Et en fait, étant donné que notre branche master, c'est un peu la source de vérité, on fait des diffs entre ce qui existe sur la branche environnement et ce qui existe sur master en passant le YAML à chaque fois. D'accord. Ok, ça marche. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je pense qu'on va conclure là parce qu'on a passé un peu l'heure. Ouais, non, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Du coup, je vais juste mettre les dernières slides dont je vais vous parler tout à l'heure. Hop. Du coup, on arrive à la fin.
Du coup, déjà, bon, merci à tout le monde, à tous ceux qui étaient en remote aussi et tous ceux qui sont là à présent. Je pense que là, on va passer justement à la partie aussi importante de la soirée, l'apéro. Du coup, merci à tout le monde. Merci à Miracle encore une fois. Merci Emmanuel. Merci à Laura pour toute l'aide avec l'organisation. Et du coup, pour ceux qui veulent aussi participer à donner du feedback sur l'organisation des prochains meet-up, n'hésitez pas à scanner ces QR codes, même pour ceux qui sont en remote, vous pouvez le faire. Sinon aussi, je vais mettre le lien sur le compte rendu du meet-up pour ceux qui sont intéressés de donner un feedback, partager vos préférences au niveau de l'organisation pour les prochains événements. Et voilà, du coup, merci à tous. Du coup, un petit rappel, désolé, n'oubliez pas les gestes barrières, tout ça. Voilà, on est encore malheureusement encore un petit peu contraint vis-à-vis de ça. Donc, les pizzas, etc., sont dans le fond. Si vous pouvez essayer de vous répartir un peu entre l'arrière-cuisine et puis bah, du coup, la pièce là, on va faire un peu de place. Normalement, voilà, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Si vous avez encore besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Normalement, il y a vraiment beaucoup de pizzas. Merci. Merci, Pablo. Merci. Au revoir, tout le monde. Petite question, Pablo. Une petite question.